Alors, une présentation très rapide de la nouvelle version Moodle Mobile, donc version 3.5. On peut observer des blocs de cours tout à fait identifiables grâce aux photos ou vidéos d'aperçus. Là, je rentre dans un cours et on va constater que les activités qui aussi existaient auparavant dans les versions Moodle Mobile sont beaucoup plus fluides. C'est-à-dire que le chargement se fait de manière plus fluide, en tout cas c'est ce que j'ai pu identifier, sans que l'application plante ou ne puisse accéder à certaines ressources. Donc ça c'est vraiment intéressant et prometteur pour cette nouvelle application qui a, comme elle l'indique, un nouveau look et donc and feel, donc peut-être nouvelle sensation à utiliser ce cours. Les étudiants, je pense, seront plus séduits par l'aspect plus responsive de l'application. D'un point de vue fluidité, voilà, on peut par exemple ici charger très rapidement une vidéo. Il s'agit ici d'une vidéo YouTube. On peut par exemple dans ce cours de formation de biologie moléculaire, voilà, en prenant une vidéo au hasard, clivage CRISPR, même chose. Donc c'est important aussi d'avoir une application avec une certaine fluidité, une certaine ergonomie pour qu'elle soit utilisée tout simplement en BIOD par nos étudiants et par nos collègues.